Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile en football? Est-ce que tu as eu des désillusions ou des choses pas toujours faciles à vivre, quoi, je sais pas. J'ai eu des désillusions, si je me trompe pas, en 2008, où je suis engagé dans un club au cours de la saison. On te dit, Charlie, tu es radié du club. C'est ça qui m'a un peu beaucoup plus gêné au cours en 2008. Où Radio du club. tu es chassé du club. On te dit, bon, Pourquoi? tu ne fais plus partie de l'effectif du club. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que tu n'avais pas le niveau. Alors là, si c'était un domaine de niveau, moi je dirais non. Peut-être c'était beaucoup plus dans le domaine financier ou le club était en baisse financièrement. D'accord. Et comment tu l'as vécu ça et comment tu as pu rebondir? Bon, beaucoup de conseils des grands m'ont demandé non, c'est ce qui fait grandir. Ça arrive dans la vie du footballeur. Prends-toi la patience, trouve-toi un club et tu vas rebondir. Et tu as senti qu'à ce moment-là, tu pouvais peut-être céder et ne pas te raccrocher et faire autre chose, ou il y a eu dû y avoir des moments difficiles. Puisque il y a beaucoup de gens qui me parlaient, j'approchais beaucoup de gens qui me donnaient les conseils que non, ne baisse pas les bras. Si tu baisses les bras, c'est en ce moment où on voit l'homme. Ça, ce sont les étapes de la vie. Il faut lever la tête, ne regarde pas toujours le sol. Quand tu vas trouver un club, ça va aller.